Je pense que la volonté du ministre aujourd'hui était d'amorcer un cercle de travail, un nombre de réunions qui vont se tenir petit à petit, que nous aurons à tenir entre services de l'État, services de la collectivité et professionnels, notamment professionnels de l'agriculture et du tourisme. Et à ce stade-là, chacun a un petit peu fait état de sa vision de la problématique de l'eau. Le ministre a eu une parole assez vraie, en disant l'agriculture est un consommateur important de l'eau. L'agriculture, il la considère comme un problème, mais ce problème peut devenir une solution puisqu'un modèle quant à la gestion de cette ressource. Nous sommes un petit peu inquiets de cette logique qui ne réfléchit que sur le court terme, mais nous sommes un petit peu inquiets de ne pas voir d'accompagnement de la stratégie de la région quant au développement d'ouvrages, même si ce sont des ouvrages de faible dimension qui permettraient d'augmenter la capacité de stockage d'au moins 30 millions de mètres cubes, ce que nous pensons aussi indispensable pour l'agriculture.